Alors évidemment, il y avait un gros point d'interrogation sur le fameux Vaval, étant donné que le Vaval, il répond à une thématique durant l'année. Ça va être difficile le cœur, non? Oui, ça, ça va. Bonjour, Patrick Moon Guadeloupe et Big Foss pour ces jeunes-là en Guadeloupe. Merci, merci à vous. Et nous déterminer. On est dans le sud de la Martinique, plus précisément à Rivière-Pulotte. On est avec monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Piré, c'est déjà bien d'ouvrir ses yeux chaque matin, mais mes projets sont entièrement musicaux en fait. Sincèrement, c'est entièrement musical, entièrement par rapport à ce que je veux faire, voilà. Ce qui est important de ça, c'est que pour carnaval pas disparaître, il faut qu'on innover. Et l'année dernière, quoi, quand ils ont innové, ils ont mis des anti-touches différentes pour qu'ils arrivent à maintenir une tradition. Qu'est-ce que ça vous fait le fait de voir autant de monde dans cette église sur le Sulpice? C'est très cool. Oui, mais en même temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours déjà? Écoutez, moi j'ai un parcours classique d'universitaire. En fait, avant d'être une association, je crois qu'on est tous une grande famille au sein de la radio, c'est ça. Pour les téléspectateurs de France et de Navarre qui nous regardent, et Mountou Patou, puisqu'il y a Internet également. Alors les gens de Canard, bien bonjour. Les gens de Canard, tu m'as dit. De Navarre. Canard. De Bernard. Aujourd'hui, on a des radios, mais parfois, il n'y a pas forcément la qualité et la compétence. Et c'est peut-être mon regret aujourd'hui. Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous? Une question pour les Antilles. Concernant le chlordécone. Le chlordécone, qu'est-ce qu'on fait pour le chlordécone pour la Martinique? Les Antilles. Je sais, là, on y travaille. Que pensez-vous de la place des femmes en Martinique? Ah, vaste question. Oui, moi, là, quand je suis Alfonso, nous l'a vu, on va nous faire souci. Je veux vraiment déclarer la guerre à l'insécurité routière. C'est important de se retrouver et de partager aussi ce qu'on fait. C'est ça, mais c'est vrai que les gens, ils ont un peu du mal à dire bonjour à tout le monde. Alors, monsieur Salis, sans faire. Eh bien, ça va très très bien, ça rend vraiment plaisir d'être là, y'a de là. Je vois du piment, oui. Piment Bondamanjac, je vois du citron, ça c'est de la menthe. C'est pas culinaire, c'est pas la cuisine, c'est pas à manger ou quoi faire quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, ou dis-moi, c'est pas à manger ou quoi faire, mais le problème c'est que l'oignon ou un bétillon ou presque à faire manger. Et par contre, le Vaval, il sera de sortie cet après-midi? Ah mais bien sûr, Vaval sort toujours, c'est qui mange gras. Alors vous verrez, Vaval, c'est forcément un moment fort. J'ai envie de dire, c'est dur. La vie est ainsi faite qu'elle continue, sous pas les morts, pas nés. Nos femmes sont bien suivies. Hein. Ah oui, elles sont bien suivies. Il y a des centres aussi de ce qu'on appelle de PMI où elles peuvent être suivies pendant leur grossesse sans aller forcément chez un gynécologue. Elles peuvent être suivies aussi par la sage-femme, les sages-femmes libérales qui font les suivis de grossesse aussi qu'on puisse toucher le maximum de femmes. Mais parfois, il n'y a pas de signe parce que les personnes qui sont en souffrance, tout le monde l'a bien apprêté, tout le monde l'a maquillé, et puis vous l'avez qu'après on fait un cahier là. Il y a un gros loto, même si l'eau n'y a pas payé. Donc nous sommes des champions de carnaval, mais pas qu'en février. C'est toute l'année nous avons fait carnaval, nous avons masqué la souffrance. Et ça se passe bien, ouais. Il fait chaud aujourd'hui. Ah, il fait chaud, il fait très 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 beau. Notamment le verger créole, le jardin créole. C'est ainsi que vous voyez la déclinaison. C'est un jardin formidable. Hein? Merci. Il ne faut pas oublier que moi, on m'a toujours dit, Mickey, lorsque tu as ton micro reste une arme. Mais moi, pas du genre qui dit les jeunes, parce qu'il ne faut pas jamais généraliser, ni comme qui vagabond aussi, ni jeune qui vagabond, ni femme qui va vagabond. Je ne vais pas mettre le N-E à la fin, mais ni femme qui bandit. Donc, il ne faut pas généraliser. Nous, nous sommes jeunesse qui l'est, nous sommes jeunesse qui a envie, nous sommes des jeunes artistes qui sont bons, nous sommes des jeunes artisans qui sont bons, nous sommes des jeunes violeurs qui sont bons.
faut pas tout aussi stigmatiser la jeunesse. Pas parler quand même, M. Sous-préfet, parce que disons on n'a pas boire, parce que sous-préfet pas rouler. Alors, justement, il faut pas boire, je le dirai comme ça, et il faut pas rouler. Il y aura des contrôles, je tiens à le signaler. Donc, le troisième, ça a venu petit à petit, puisque il était en l'eau, il t'a pas fait. Belle étape là, c'est joli, hein, parce qu'il fallait. Qui sont encore conseillés? Ah, pas que bah, nous victoire là. Hein. Ah, ouais. Ma commande est en pile force et puis courage. Alors, Pipo, je trouve que je rencontre à la Brassie, ils sont quand même là. Eh bien, écoute-moi bien, moi, je suis venu supporter. Je suis venu supporter, moi. Brassie Lorraine, hein, tu comprends. Pas de publicité, hein, bon. Non. Mais voilà, ma qu'a souhaité que ces messieurs fassent. Ma qu'a souhaité que ces messieurs fassent un bel course, je dis, quoi. What's up, Danta, comme from Kaobe, big up. Big up tout le monde Mada, big up tout le monde Guada. Tu ne respectes rien. Ok, merci. Est-ce que c'est conditionné? Est-ce qu'il y a un entraînement pour les crabes? Ben, on va dire que oui, parce que ce sont des sportifs, ces crabes. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bah écoute, je pétille, ça va très très bien, merci. Ma gueule, elle perd toujours, alors c'est grand plein et ils arrivent jamais premiers, donc bon, on est là quand même. Voilà. On est venu ici aux Antilles, les choses se passent extrêmement bien. L'organisation a été quelque chose de très huilé, donc on est content, on est là, on est dans notre milieu, quoi. Oui, c'est un rendez-vous important. Bon, le coordinateur assure l'interface entre la technique, entre la production et tout ça. Et en tant que coordinateur, je suis affecté donc en ce moment à la communication. Et bon, c'est un bon travail, hein, d'y garder Sousta Belle Goka. Donc musique nous, c'est musique Caraïbe, musique Neg, musique nous, quoi. Donc ça bien que ça perpétue quoi, en métropole. Bonjour tout le monde aussi. Moi je suis pas sûr qu'on me regarde, mais bon. Le bassin. C'est mon enfant, ça m'a regardé le venir l'année prochaine parce qu'ici à Pays, il y a Belle. Ben là, Belle, venir voir ça plus souvent, venir voir Martinique. Et puis nous avons un bel fédéral. Voilà, avec modération, attention. Bonjour, M. Pital. Bonjour, ça on fait. Eh bien, Malaka Tchébé, comment est Doubout? En flagrant délit. En flagrant délit, pas en flagrant dans le lit. Hein. Pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir à la Martinique, vous leur conseillez de venir en Martinique, il fait bon vivre. Alors, nous, Van Pays, à maman là. Nous, quand Van Pays, Belle, il y a un bon tour qui attribue chaque fin d'année. Pendant que c'est essayé pour un billet, ils ont de temps en temps pour faire un petit tour pour vivre le pays, vivre Martinique. Pourquoi le coco, on l'aime, donc c'est mon content, c'est de l'eau coco, tout ça? Ah, ben oui, c'est vrai, ça, sans coco, ça, c'est mon pas content. Hein. Et vous faites qui ça, que de l'eau coco, comment d'autres bagailles? Jus de canne. Voilà, il faut dire aussi beau, mais quand je vais puis en celle-là, mais à un moment là. Eh bien, Alfred, merci en chai, et puis à bientôt. Tiens, Béred. Ok, chez Béred, pas de problème. Je vois aussi que tu es équipé, on a chapeau, on a casquette, tout, voilà, tu te protèges du soleil. Alors. J'ai voulu faire le gros coco, comme on dit, je suis venu avec la petite casquette, mais on m'a dit, ah, ça fait trop chaud, on m'a dit, ah, je prends le max. Un sombrero. Ah ouais, un gros sombrero, parce que gardez ça. Il faut dire que les histoires d'amour commencent par du zouk aussi. Exactement, ça commence par là et la suite aussi. La suite aussi. Je voulais remercier tous ces spectateurs qui sont venus. Et pour l'instant, tout s'est bien passé. J'espère que ça va pouvoir se terminer aussi. Dites-moi, comment ça se passe à Martinique pour vous? C'est génial, c'est vraiment une super île et des super vacances. Vous êtes au top. Regardez comment c'est plein de monde, beaucoup d'activités, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On vous remercie et tchambé, arrête pas mollé. Ok, merci. Allez, au revoir. Pour la métropole, pour la France, comment ça va? Ça va. Alors, le carnaval, ça se passe bien? Oui. Ouais, allez, bon mardi gras. Alors, j'ai à côté de moi... Chantal. Chantal, enchanté. Moi de même. On va arriver. La cannelle, ça a énormément de vertus.
Vous avez une grippe, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez dans une bassine, vous mettez la tête dedans, 30 minutes, la grippe s'est envolée. Voilà, on va faire une inhalation. Ça a tout compris. Une façon pour vous, quelque chose pour vous contacter, voilà, il va aller chercher, hein. Tout se passe comme ça, the live on direct, voilà. Merci à toi Alfonso, parce que je sais que tu fais un travail vraiment formidable, tu as fait la veste de minuit en direct qu'on a été, et donc c'est très 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 bien, et ensuite toi. Tu veux vous montrer? Il faut dire que tout ce qu'on voit là, c'est fabrication Alexandre. Tout ce qui est ici est fait par mes mains. Alors, par exemple, voilà une carafe. Jacques est avec Alfonso, alors j'ai dit moi je vais voir Alfonso, parce que je m'appelle Alfonso aussi. Ah d'accord, enchanté Alfonso. Enchanté Alfonso. Aujourd'hui, mercredi décembre, à une heure tardive, devant la tour du Luna qui sera éteinte pour la circonstance. Quelqu'un qui dirait que Dieu ne comprend pas le créole, eh bien, c'est quelqu'un qui est encore formaté d'une certaine manière. Hein. Il faut savoir que Dieu comprend toutes les langues. Parce que nous sommes ses créatures et Dieu comprend même le bébé qui n'a pas encore le langage bien organisé. Artistes, c'est je monopolise le micro, hein. Tu n'es pas content que j'ai le micro, hein. Laisse-moi le micro. Allez, c'est moi l'animateur aujourd'hui. C'est moi l'animateur. Alors je tiens aussi à dire que il y a le producteur là, Jean-François Beneteau, à Benin Drive, qui nous a fait confiance dès le départ. Et je tiens à le remercier, nous le remercions. C'est pour te dire que mon intention c'est de vivre là-bas. Je vais faire l'aller-retour, mais je vais vivre là-bas. C'est pas moi mon vieux. À tout à l'heure. À bientôt. On est à la République sans FDD. Eh bien nous là, nous place la République, Paris, merci bon Dieu, nous là pour célébrer en cette nous et puis la vie belle. Le 23 mai, on est sous la place, on est à la place de la République, il se passe des choses, c'est-à-dire. Eh bien c'est un grand moment pour nous qui n'avons pas vécu tout cela, mais nous devons rester vigilants. C'est important d'être là, ne serait-ce que pour témoigner de notre soutien et de la mémoire qu'on doit conserver. Où est-ce que tu étais le 23 mai 1998 ? Le 23 mai, j'étais dans la foule avec tout le monde pour la marche. Oui, j'y étais comme tout le monde, enfin comme tout le monde, je crois 45 000 personnes. T'as eu l'occasion de t'embarquer sur une voiture de Bradiac? Non, mais j'ai déjà entendu. Et j'ai déjà décidé avec ma maman. D'accord. Il y a les formalités déjà. Voilà, donc on est allé à la douane payer. Et puis on va voir le sésame pour pouvoir les sortir de là-bas du fret. Voilà, mes copains! Et c'est super! Super ambiance! Voilà. Bonjour à Pépé, ouais, au froid. Voilà. Et à toi? Moins d'hommes, il est wow, moins d'hommes, il est wow, moins d'hommes, il y a d'allô. Moins d'hommes, il est wow, moins d'hommes, il y a tout à métro. Merci. Alors, vous avez appris la nouvelle, hein? Oui, la triste nouvelle. Ce matin, à 4h du matin. Déjà, ça n'allait pas la veille, mais on nous avait confirmé un mieux. Moi, je suis parti parce que je me dis effectivement, l'on y racine, non, dis donc. En bon an, je me dis considérer la live et redescendre. Il a mené toute bombe à redescendre, il a mené à ce côté. Et nous, quand je dis, si tu vas descendre chez nous, nous pouvons que ça vive. Je ne veux pas dire des bêtises, c'est une bauderie, ça, presque. C'est un froufrou. Ça s'appelle un froufrou, c'est un galon. C'est un galon. Donc en fait, c'est un galon un petit peu avec des petites fantaisies, en fait. 23, ça tombe. Ah, on a dit, quel que soit le jour, l'heure, etc., la date, c'est la date. Est-ce que la population est bien suffisamment informée ?
Alors la population est informée, mais malheureusement des fois mal informée. Donc elle a encore des préjugés par rapport à leur mode de transmission, par rapport au sida tout court.